On les applaudit à l'entrée sur le terrain. Il est là, Chili Salas et Louise Berman. Alors, il s'appelle 48 heures l'île du Lit, car il y a un tournoi à l'île du Lit pendant deux jours, pendant 48 heures. Et elles vont être opposées à l'équipe Peach Team. Peach Team, ah, elle rentre déjà. Wendy, tu as raison, Wendy Aragova, Misha Fomankova et Manon Rebuffel. Les six joueuses de cette finale arbitrée par Henri, c'est parti. Allez, c'est parti pour la finale. Je vais suivre l'évolution du score sur le grand écran. France sur la terrasse. Vous pouvez suivre le score de cette finale. Finale tournoi prestige féminin. Qui va remporter l'édition 2017 des estivales de volleyball? C'est parti, c'est parti. Allez, n'hésitez pas à encourager les deux équipes. Terrain 68, Brest-Dif, P.Dif face au terrain 68. Terrain 69, Super Dry et Bruos, last minute sur le terrain 69. Tournoi Open Roussette Maillot. Alors comme vous venez de l'entendre, nous sommes arrivés à la finale du Prestige, il y avait juste 8 équipes ce matin. Par contre, à côté, il y a un tournoi qui continue, le tournoi Open pour tous les autres joueurs et joueuses qui n'étaient pas qualifiés sur les estivales et pour tous les niveaux surtout. Même si vous êtes amateur, vous pouvez venir jouer sur les estivales. Il y a les tournois pour les estivales. Et il y a également des professionnels. Deux petits points d'écart. Et joli point conclu par Elena, qui permet à son équipe de mener maintenant le 5 points dans ce premier set, 11-6. Deux sets. Défi, deux chutes, on lâche pas. Il y a 6 là. Égalité, un set partout. Bien sûr. Oui, oui. Vas-y, toute seule, toute seule. Et nous manquons avant l'équipe 48 heures à l'incliné, 14-8. Elle va faire retrouver. Attaque puissante diagonale d'Elena Chimisalas. Et l'attaque hors limite donne une première balle de 7 à l'équipe 48 heures. Il finit 20-15, première balle.
balle de 7 sauvée. 16-20. C'est un quartier. Et celle-ci est la bonne sur cette faute au service de Micha. Premier set pour l'équipe 48h, il tue. C'est reparti pour un deuxième set, toujours en 21 points. Point pour l'équipe Beach Team. Et point, nouveau point pour l'équipe Beach Team sur ce bloc de Manon. C'est de Manon, juste derrière le filet, 7-5 maintenant. Et Manon a failli ramener cette balle. Mais c'est une égalisation pour l'équipe 48h Victory, 7 égales. Juste en dehors des limites. Allez-y, maintenant, on va avec elle. Pas elle est là. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. France Bossé a fermé. La diagonale, 8 égalité. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Wendy avait bloqué la diagonale. Clairement pour l'équipe Beach Team. Wendy, Arago, service. Open Roussette Maillot sur le terrain numéro 69. L'équipe Last Minute sur le terrain 69. Souvent ce genre de petite balle placée au fond du terrain. 15-18. Égalisation pour la victime, c'est un très beau point, voilà.
Là, c'est de rouler sur le filet, mais c'est d'avoir ses points pour l'équipe Peach Team qui égalise à 1-7 partout, 21-16. On va donc avoir droit à un tie-break. Tie-break qui se jouera en un set de 15 points. Et cette fois-ci, on change. Allez, c'est parti pour le troisième set. Misha Formankova au service. Un partout. Allez. C'est tie break en 15 points. 4-2. Oui, Lena. Encore, Lena. Seul. Allez. Yeah. Ah, bien. Dommage. On est blessé là. Difficile de bien maîtriser ce lancer. 5-3. Et toute seule, belle passe qui décale bien l'attaquante. Wendy qui est seule au filet, qui peut lâcher le bras. Allez, 6-7. Et cette égalité sur cette réception qui passe directement de l'autre. Tournoi Open Roussette Maillot sur le terrain numéro 44, l'équipe Émile Fatou sur le terrain 44. Et à nouveau, France qui fait point sur une attaque puissante, elle joue les mains du bloc. De Manon qui permet à son équipe de revenir. 10 égalités, on change de côté. Alors on applaudit fort les deux équipes sur le changement de côté. Alors on redonne. Deux fois le ballon, mais lorsque l'on touche la balle au contre, cela ne compte pas comme une touche, donc on peut rejouer la balle. Sois milieu. Les deux équipes qui changent, on les applaudit. Nouvelle balle de match pour l'équipe Bitchy, 18-17, Wendy Aragon au service. Victoire de l'équipe Peach Team. On peut applaudir les deux équipes très fort. Vous pouvez les applaudir très fort.